Hello les gens, ici c'est Shadowar. On se retrouve aujourd'hui pour des rediffusions sur le live de Rise of the Tomb Raider. Comme d'habitude, je ne dirai cette intro qu'une seule fois au début du live et je vous dirai au revoir à la fin de ces rediffusions. Dans tous les cas, j'espère que vous apprécierez ces rediffusions. Mais sinon, si vous voulez participer carrément en live, vous pouvez venir un vendredi soir sur deux avec nous s'amuser. En temps réel, vous pourrez me parler de tout et de rien. Et surtout de rien, je pense. Ou surtout de tout, ça dépend comment vous prenez la chose. Dans tous les cas, j'espère que vous apprécierez cette rediffusion. Et je vous dis à la prochaine, d'où on va continuer le live. C'est parti, la dernière fois, on avait fait toute la quête, qui est une quête annexe hein, de Baba Yaga. Hein, complètement annexe. Et on va à nouveau bien escalader toute cette architecture soviétique pour trouver des trucs. Mais c'était des animaux là, j'ai envie de dire. Mais pas des gens qui étaient là-dedans, j'espère. C'est un peu petit quoi. Hop, moult choses pour aller rejoindre le village d'enfance de Jacob. Il me semble que c'est un truc comme ça. J'ai passé 2 ans en Afghanistan et 1 an en Indonésie et rien. Mais après à peine 1 jour ici sur la glace. Et voilà que je descends ma toute première cible. J'ai regardé le regard de cet homme se voiler, alors qu'il me suppliait de faire quelque chose. Aucune idée de ce qu'il disait, je suis pas russe. J'ai attendu à ses côtés tout en l'observant. Il était là. Puis la seconde suivante, plus personne. Juste un tas de chair. Je vomis dans la neige, au beau milieu du sang du gamin. Il n'est plus qu'un tas de viande et moi, je suis en vie. Constantin ne cesse de répéter que nous sommes ici pour une raison précise, que nous remplissons une mission divine. Je commence à comprendre ce qu'il veut dire. C'est un psy... Lara fait quand même un commentaire, c'est un psychopathe, c'est des gens comme ça que lors de la trilogie recrute. Je suis pas du tout d'accord, le mec dit que, en fait, justement, ça l'a complètement traumatisé, il a vomi et tout, il s'est remis en question et tout, c'est pas du tout un psychopathe, c'est... Bon, il a tué un gars, il a tué un gosse, je suis d'accord, c'est... Voilà, c'est discutable. Et le mec, il s'en est voulu quoi, si le mec a commencé à vomir et tout. Ah putain, il y a des mecs là. Même si on en avait une, la révolte a causé de gros dégâts structurels. Ça va pas être de la tarte de monter là-haut. Le froid et la nature ont repris leur droit. Alors... T'es en train de faire un cocktail Molotov là, c'est ça? Ouais. Le premier contact a eu lieu dans un des puits de mine. Ils ont réaffecté. Ok, cocktail Molotov. Une semaine, les gars se sont révoltés. Alors. Ah, ils sont 3 putain. T'as vu comme c'est glauque ici? Attention, vous êtes prêts pour le carnage? Et hop! Allez, 3 d'un coup. Bon, sauf celui qui est là-bas. Hello! Hop! Bon, ça a été géré plutôt vite, je trouve. Hein. Ça va. Hello, Shigo! Comment ça va? Shigo Danio. Je m'en remettrai jamais de ce pseudo qui est beaucoup trop bien. Il est beaucoup trop bien. Vous faites tellement la paire, vous deux. Entre jambon et gigot d'agneau, quoi. Incroyable. Alors, ici, on a une petite boîte. Prenons la petite boîte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre, dis donc? Hop. Ici. D'accord. Bon, là, il y a des corps, mais bon. Ça va. On sent. Attends, j'avais une boîte de conserve dans la main il y a 2 secondes et ça s'est transformé en bouteille. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Lara a des dons d'alchimiste, de transmutation. Ici ça a l'air intéressant, on va essayer d'y aller après je pense. On va complètement essayer d'y aller. Peut-être que ça brûlerait exactement. Voilà, peut-être qu'avec le nouveau cocktail Molotov qu'on a appris à faire, peut-être que ça passe. Exactement. Quelle coïncidence. Hop, 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 hop. Allez. Hop, ça s'ouvre. J'ai trop de trucs en fait. Je récupère des machins et je suis trop chargé. Il faut que je puisse fabriquer des super poches et des trucs comme ça quoi. Ouais, ok. Alors, bon, ça visiblement ça casse. Ça casse pas sous mon poids, je suis pas assez lourde. Clairement pas assez lourde. Et là on me dit quoi? On me dit que c'est par là-bas.
Et j'ai du charbon en trop et tout. Ah, des champis. Les champis, ça c'est bon. Ça, j'en ai pas en trop, bizarrement. Ça, ça s'ouvre. Non, mais prends pas le flingue, prends pas le flingue. Hop. Ça, ça s'arrache. Allez, hop. Et ça, en fait, c'est pour pouvoir monter directement. Ok. Ça me va. Lisons un peu le russe. Plaque soviétique. Micro qui grésille. Alors maintenant que je vois comment s'écrit Constantin, je trouve plus crédible le prénom. Ouais. Le micro qui grésille. Attendez. Normalement, c'est bon. Je l'ai remis plus ou moins en place. Constantin avec un K exactement. Au moins, on comprend pourquoi il est russe. La médaille des héros de l'Union soviétique. C'est le plus haut titre honorifique décerné pour acte de bravoure. C'était peut-être à l'un des officiers du goulag. Putain, il y a une vis quoi. On te la vise dans la peau quoi. T'as plus le droit de la quitter quoi. Tu as gagné cette plaque, maintenant tu la gardes à vie vissée sur ton poids. C'est ton poids, trai. D'accord. K best left ever. Ah bah je ne sais pas, je n'ai pas de K dans mon prénom ni dans mon nom de famille d'ailleurs. Le K totalement inexistant chez moi. Totalement inexistant. Bonjour. Tu t'es fait crucifier toi, t'en as de la chance. Alors, ici y a rien du tout. Non, je peux pas le péter, d'accord. Ça doit se fixer quelque part. Genre là-bas. Allez. Bon. Ça veut dire qu'on pourra aller là-bas, mais j'ai peur de pas pouvoir réussir à. On va tester. Attention! Ah putain, elle est tombée. Allez, dis-moi que c'est possible. Yes. Putain, je me suis dit que là, j'avais tout fait. J'avais tout fait tomber pour rien. Ouais, sauf que voilà. Ça recommence ce bordel. Fait chier, j'ai pas ce putain. J'ai trop d'objets! J'ai trop de trucs sur moi. Il faudrait que je fabrique des machins, quoi. Des machins et des bidules et des trucs. Tout ça. Ok, go. Voilà, c'est bon. Au moins, je peux remonter dans ce sens-là, ça me va. Et je viens de voir que le bordel du carré recommence. Non ! Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? D'accord. Bien joué. Je suis où ? Je suis là, d'accord. Bon, lui, il a une mitraillette, mais il veut pas me donner. Ok. Ok, go. Ouah, elle peut faire ça? Mais je savais même pas. C'est ouf ça. Ok. C'est good. Putain, je suis à fond là. Je suis à fond de tout en fait. Faudrait que j'ai des plus grosses poches. Faudrait que j'ai des plus grosses poches, je peux pas ramasser. Mais non, je peux même pas crafter des objets, je suis à fond en tout. C'est ouf ça. Je suis à fond en absolument tout quoi. Je peux même pas faire de la place artificiellement. Dépêche-toi. C'est ça qui est dingue. Et le pire c'est que je peux pas crafter des améliorations. Enfin si je pourrais crafter des améliorations. Mais c'est sur des objets à la con, j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie de crafter des améliorations pour un flingue que j'utiliserai jamais quoi. Vraiment. Alors ça me fait chier. Ça me fait grave chier. Ici, j'ai la place. Et là, c'est des écrous, donc j'ai pas la place parce que je suis plein. Putain de bordel de merde. Il faut absolument que je récupère l'outil de fabrication. Faut que j'aille l'acheter auprès du revendeur à la con là, le vendeur traître. Oh, salut. Toi, je vais te buter, tu sais. Tu sais que tu vas mourir dans quelques instants. Je sais pas, je vois pas vraiment. Allez, pousse-le. Oui. Un. Il a glissé comme il faut. Ça c'est beau ça. Ça c'est ce qu'on aime.
Est-ce qu'il y a un autre type? J'ai pas l'impression. Pas l'impression de voir un autre mec. Après, je suis pas sûr de où c'est que ça veut nous emmener. Donc, je vais plutôt... Mais non! Mais qu'est-ce qu'elle a... Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand t'as dit dans la peau. Ça m'a fait penser à... T'as le rythme dans la peau. D'accord. Réplique, Jacques. Mais ouais, je suis peut-être monsieur... Je suis peut-être un peu trop économe, je sais pas. Le truc, c'est que ils me font des améliorations que je m'en fous, quoi. Oh non, il est pas tombé cette fois-ci. Pousse-le. Pousse-le. Pousse-le un peu encore. 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 Ah putain, son corps, il est pas tangible, je suis dégoûté. Tant pis, il va pas tomber. Bon, est-ce que tu peux ne pas passer à travers cette fois-ci? Merci. Ça m'aiderait beaucoup. Notamment à vivre, ça m'aiderait. Ce qui peut être pas mal. Hop, 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 et hop, et hop, hop. Ah, il y a un truc là. Vas-y, descends. Descends ma grande, il y a un petit truc à récupérer. Voilà, hop. C'est vite fait. Voilà, c'est juste un peu d'XP, des feuilles pour pouvoir faire des remèdes qui ne me servent pas. Alors, c'est incroyable. Il y a personne, go. Alors, un coffre. Ça, par contre, c'est cool. Peut-être bientôt un nouvel arc. Mais non, c'est tellement satisfaisant de voir les ragdolls d'ennemis tomber dans le vide. Je ne vis que pour ça. Je ne vis que pour tuer des ennemis au bord d'un précipice, moi. Je ne fais que ça. Oui. Non, je suis pas là. Je suis pas là. Regarde. Voilà. Oh wow, c'était quoi ça? Ouais. Tu l'as dit, Bouffy. Ça va bien péter dans ta gueule. Ah mais le mec s'est foutu dans le feu avec moi quoi. Surprise, motherfucker. Oh, le mec s'est pris une balle. Du feu de dieu quoi. Il a pris tellement cher. Hop. Non. Hop. On va en profiter, on a du molotov. Genre, voilà. Boum. Ça a pas pété, tu te fous de ma gueule. Purée, mais c'est quoi ces gens qui balancent des grenades à tout bout de champ là? On est de retour, je ne sais pas pourquoi, mais OBS a dit non. On a décidé que ce soir tu ne liverais pas parce que voilà, t'es pas gentil. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Bref, on est de retour. Attendez, on va tuer tous ces mecs là. Alors lui il croit qu'il a une chance, mais en fait il est déjà mort, il le sait pas encore. Et ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air pas mal. On va juste ramasser un petit peu des trucs là, voilà, genre des petits champignons, des petites bouteilles, voilà, des petits, je sais pas ce que c'est, des feuilles, okay, d'accord, des feuilles, à rigueur si tu veux. D'accord. On a ça, ok. Une boîte, ok. Ok. Là, je peux avoir, hop, ça. Ça nous permettra de redescendre pour plus tard, certainement. Hop. Allez, on va faire un truc stylé. Oui. Ok, cool. Est-ce que je peux sauter avec la bouteille, là? Olé. Ça passe, ça passe. Ok, ça, comme d'habitude, je peux pas récupérer parce que j'ai trop de balles. Ok, on a ça. Ça passe toujours par là, ça va. Lui il est mort. Ça me va pas plus mal. Ok, ça se récupère. Ici. Ici. Ici lui il est mort, mais c'est pas moi qui l'ai tué. Il est mort depuis beaucoup plus longtemps. Une bouteille. Et ça monte. En fait, là il y a trop d'embranchements. On peut monter par trop d'endroits. Beaucoup trop d'endroits. L'armée rouge a fini par découvrir le temple de la grâce du prophète. Ils ont arrêté leurs autres opérations et ont commencé à les pubs. Je suis désolé. Nous sommes prêts.
avec l'aide des autres prisonniers, nous avons réussi à rassembler des armes et des explosifs. Après avoir détourné l'attention des gardes, nous profiterons du chaos pour nous révolter. L'armée rouge a été sans pitié envers nous. Et nous ferons de même. Nous tuerons ces envahisseurs jusqu'au dernier. Alors seulement, notre secret sera en sécurité. Ok, toujours plus de violence. C'est ça qu'on aime plus ou moins. Putain, je suis russe niveau 3 maintenant. Incroyable. On dirait un grade que le mec a chopé. Bonjour. Je suis devenu russe de grade 3. N'importe quoi. Bon, la connexion internet a l'air toujours un peu à l'ouest. Visiblement, il y a un mec qui doit squatter ma co, quoi. Je sais pas trop comment il a fait, mais il a réussi à trouver mon mot de passe. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. J'ai pas trop envie d'aller là. On va plutôt continuer par ici. Ok. On est bon, vas-y encore. Des trucs à lire. Vas-y, lis. Je suis dans une mer de noir. Je furetais un peu, sauvegardais des fichiers pour mon usage perso, quand je suis tombé sur un fil de discussion. Me concernant. Et le pire, c'est que je crois que j'étais censé le trouver. Le chef de la sécurité sait que je diffuse certaines infos. Depuis le début, probablement. Et pour le moment, il se contente de m'observer. Histoire de voir où je veux en venir. L'ennui, c'est que je n'ai rien prévu. Je vais crever parce que je suis curieux et stupide. Je suis même plus sûr que ce canal est sécurisé. Ils t'ont peut-être déjà repéré. Je deviens parano. Mais les trinitaires, ils plaisantent pas. Ils sont partout. Plus j'en apprends, plus je réalise à quel point j'ai déconné. Alors je vais te faire plaisir. T'avais raison. J'espère que j'aurai l'occasion de te le dire en personne. C'est possible que ça vienne de moi parce que j'ai un énorme problème de connexion. J'ai un gros problème de connexion en ce moment. Et je sais pas du tout d'où ça vient. Ça brûle là? Ça c'est censé brûler? Pas sûr. On va tenter. Il me semble que si, c'est ces machins là qui brûlent. Oui, ça brûle en effet. Oh! Ah non, ça passe pas pendant que c'est en feu. Faut pas déconner. Une bouteille en plus. Un petit coffret. Qu'est-ce que t'as trouvé, Lara? Une petite boîte à pilules d'homme, ornée du marteau et de la faucille en émail. D'accord. C'était quoi dedans? Il y a un résidu dedans. Et une forte odeur. Un genre d'amphétamine. Oh, de la drogue russe! La propagande à côté. Nous, les Russes, on ira dans l'espace avant les Américains. Ce qui est vrai. Les Russes sont allés dans l'espace avant les Américains. Par contre, les Américains sont allés sur la Lune avant les Russes, quoi. Dommage. Chacun son truc, hein. Bon, lance-moi ça, on s'en fout. Oui. Moi, je veux faire Tarzan. Oh. Parfait. Là. Vous êtes là. Jacob. Je suis coincé là. Il faut que vous... C'est quoi tous ces putains de piafs, là? Boum. 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 J'ai le temps de tuer deux piafs quand même. Taisez-vous. Par contre, je pouvais pas les ramasser. Merde. Ils sont déjà à l'intérieur. Ok, j'ai récupéré quoi? Un arc. Ah, j'ai déverrouillé l'arc. Putain, cool. Par contre, j'ai tiré un... Il y a eu des coups de feu juste à côté de vous, les gars, et vous avez genre pas été du tout alertés. C'est vrai, ça? Vous êtes vraiment des vrais... Selon le manifeste, les soviétiques auraient placé les artefacts... Des vrais agents dans ce coffre. Va falloir le forcer. Qui a le chalumeau? Je m'en occupe. Bon, écoutez tous, ne touchez à rien. Faites l'inventaire de tous les artefacts que vous trouvez. Tous ces trucs sortent de la mine? Ouais. D'après les derniers Ok, rapports, il faut une bouteille. Voilà, comme par hasard, une petite bouteille à côté. La a commencé juste après, dans la confusion. Et attention, ça va péter! Les inscriptions sont pas en russe. Oui! C'est dommage, vous êtes mort. Ça partait bien parti. C'était bien parti pourtant pour vous. Hein. Vous avez failli vivre. Puis en fait, non. Puis je suis arrivé, puis je suis tout cassé. Attention, il y a des travaux là. Il faut faire attention. Zone à travaux. Ne pas faire de bêtises. Hop. Hop. Hop.
Là, j'ai tellement de trucs sur moi. J'ai trop de trucs sur moi, bordel. J'ai beaucoup trop de trucs sur moi. Ça, je sais pas à quoi ça sert, ça. Tiens. Méchant. Méchant, générateur. Méchant. Je sais pas comment on les active encore pour le moment, donc... on va rester sur ça. Toc. Et là, j'ai l'aura du papier. Ah, ils sont sympas. Ils ont vu qu'il fallait faire un truc. Il fallait faire sauter un truc, je fais ça. Alors ferme là. Arrêtez de dire de la merde les gars, arrêtez. Lara qui vous parle. Oh merde, José. Oh mais les gars, please. Vous pensez que vous allez réussir? Boum. Oh oui, tu subis des pertes. Oui. Dans quelques instants encore, on t'aura monté dans ta tête. Non merde. Il s'est mis de l'autre côté. Boum. Je suis tombé. Boum. Ah. Mais arrête de bouger, man. Voilà, c'est ça. Fallait pas montrer ta tête. Dommage. Dommage pour toi. Prends cette bouteille. Oui. Tiens. Je l'ai cassé contre le mur. Boum. Une question. Est-ce que ça, ça se pète? Ah putain, ça se pète. J'aurais tellement dû faire ça pour tous les tuer. Tous les cramer. J'aurais pu tous les buter en un seul coup, quoi. Hop. Hop. Voilà. C'est pas très sécuritaire, ça. Des balles juste à côté du feu. Mère, il est fou. Ah. Tue-le. Boum. Ok. Il est où l'autre? Ah. Je brûle. Boum. Ok. Allez, ça brûle. J'ai pas le temps à perdre avec ces conneries hein. Tu veux pas te planquer? Non. Tiens. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Des balles. Vas-y, prends des balles. Non, tu veux pas de balles. Très bien. Vas-y, recharge au moins ton flingue. Je puisse tuer des gens. Ce serait pas mal. Putain, mais tout crame. Mais quelle idée. Quelle idée d'avoir tout fait en bois. Oh mon dieu. Ah purée. Putain, couverture. Mais recharge, bordel. Allez, hop. Oh, ça, ça sent le boss. Je l'ai en contact visuel. C'est ça, t'as rien du tout. Maintenant. Bien, monsieur. Oh merde. Déployez-vous. Il faut qu'on l'encercle. Fuck. Non. Fabrique ton putain de molotov que je puisse le cramer. Tiens. Voilà. Hop. Et toi? La même chose. Ah putain, je prends cher un peu. Ils sont où les autres là? Ils sont où les mecs qui me balancent des grenades? Attention. Hop. Ah merde. Vas-y, je suis prêt. Oh là là là, la contre-attaque. Oh. Le décascage. Oh putain, putain, putain. Non. Vas-y, amène-toi, amène-toi, amène-toi. Go. Brrra. Oh là là, la flèche dans la gorge. Ça doit piquer un petit peu quand même. Ça doit piquer grave. Que j'ai pris quelque chose, j'ai oublié quelque chose. Par de ramasser des trucs sur le cadavre de mes ennemis. J'aurais pas aimé être à sa place pour me prendre une jolie flèche dans la gorge. J'avoue, ça doit pas être très plaisant. J'ai pas le temps de lire, vous avez marqué trop de choses. Qu'est-ce que vous avez dit? J'avoue qu'avec tout ce bordel là, ils auraient pu juste nous laisser cramer quoi. Hop.
Attends, quoi, il y a un mec qui me tire dessus là? Genre sur le pont, ils font genre que c'est la guerre et tout, mais pas du tout, en fait. Est-ce que je peux faire des choses là? Ah, c'était un piège! Mais surtout qu'ils ont même pas ouvert la porte, ils ont juste fait cramer les murs, quoi. Attends, on va aller ouvrir le passage, on va faire cramer les murs. Ok, faut sauter là, visiblement. Go! Je fais comment là? Ok, non, ça va. Merci, Jacob. Ça fait plaisir. Si on continue, ça va devenir une habitude. Merci. Ravi que vous soyez là. Je te rappelle que c'est moi qui t'ai sauvé la vie de base. Ouais. Donc on se calme. On se calme. Mais on ne sera pas les bienvenus. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de venir. Ça suffira pas à me décourager. Je l'ai vu en speedrun. Je veux toujours avoir des réponses. Le 100% de KH2. Alors ne perdons pas de temps. Mais en speedrun, je crois que ça dure un truc comme 8 heures. C'est assez horrible. Raccourci. Alors, excuse-moi Jacob, mais moi je vais là-bas, ok? J'espère que ça ne te dérange pas. Qu'est-ce qu'ils ont déterré? Bon, bah visiblement le jeu ça le dérange, donc on va faire demi-tour. Merci. La plupart des anciens passages se sont effondrés. Mais on ne risque plus rien. D'accord. Allez. Cool. Enfin, on ne risquait plus rien. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est pas très rassurant, ça. Pas très, non. Les Trinitaires ont dû trouver le vieil équipement minier. Ils vont essayer de finir ce que les Soviétiques ont commencé. Et y a pas d'autre chemin pour passer. J'ai pas du tout. Plus maintenant. C'est très compliqué. D'accord. Écoutez, juste deux secondes, on va faire une mini pause en fait. Je vais aller juste régler un petit truc et on est reparti. Alors merci Jacob de nous avoir attendu. On y go. Ils vont finir par tout faire s'effondrer. Ah mais c'est comme ça les méchants, tu sais. Les Soviétiques ont détruit la plupart des anciens passages. Ces machines n'ont pas été conçues pour faire dans la délicatesse. On va se faufiler discrètement. Ouais. Mon dieu, ça tremble de partout. Il faut pas qu'on se retrouve coincé là si le tunnel s'effondre. Ça c'est sûr. Mais vous êtes fous. Non! Sophia? C'est qui Sophia? C'est qui Sophia? Oh mon dieu, mais ils ont une foreuse géante! Putain, mais ils ont fou! Là, y'a un mec! Oh là là, j'ai pris un coup! Comment je suis censé esquiver? Est-ce que je peux le tuer? J'ai essayé de tuer un mec. Ah, bordel! Oh là 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 là, what the fuck! Mais cours, sprint, fais quelque chose! Lara! Mon dieu! Ouais. Jacob, vous êtes là? Jacob est mort, hein. Il a été écrasé par un caillou. Ça capte pas bien dans les grottes, tu le sais, ça, tu le sais, Lara. On peut peut-être remettre ce monde charge en état. Il doit bien y avoir une sortie là-haut. Ah putain, fais chier. Je recarte. Ok, ok. Je peux mettre cette console en marche. On ressortira pas par où on est arrivé. Il faut réparer ce port de charge. Je sais, mais je vais tenter un truc pour voir. C'est ça, tente. Tente pour voir et meurt. Qu'on rigole. Merde. Le monde charge est coincé. Les rails sont complètement rouillés. Bon, déployez-vous. Trouvez quelque chose pour le décoincer. C'est parti. Ok. Avec un peu de chance, là, ils vont se séparer, exactement, et du coup, ils se voient plus. Donc, je pense que lui, je peux le buter. Hop. Je suis caché. Bouya. Hop. Et... Hop. Fais ma gueule. Et hop. Oh, tout en furtif.
Voyons cette console de plus près. C'est comme ça qu'on fait les mecs. Je vous apprendrai plus tard comment se battre avec un piolet. Alors, on appuie sur le bouton. Bah voilà. Ah non, j'allais dire ça marche, mais en fait non. ça n'a pas marché. C'est là que je dois aller. Ouais, c'est là que tu dois aller. Non mais ça c'est clair. Problème, je sais pas si t'as vu, mais voilà, tu peux pas grimper. Oh, un truc qui brille. Ah non mais ça c'est sûr qu'après on peut déplacer certains objets. Oh, on va pouvoir écraser ce mec. Peut-être que si je coupe ses cordes. Ouais, non mais j'avais bien compris ça. Putain, mais j'ai même trop de charbon, je peux plus rien fabriquer du tout quoi. Allez, j'ai fabriqué deux trucs quoi. J'ai fabriqué deux flèches, génial. Trop dingue. J'avoue. Arrête de tenir, saute. Je vais pas pouvoir utiliser le monte-charge. Ah, un couteau. Je dois trouver un autre moyen de monter. Tu parles deux fois. Arrête de parler en même temps. Pas possible. T'es pas censé pouvoir parler en même temps. Je vais pas pouvoir utiliser le monte-charge. Ça, j'avais compris. Je dois trouver un autre moyen de monter. Oui, bah regarde, tu fais ça et tu coupes. Allez. Tu coupes. Voilà. Olé. Et là on est bon. Là on peut récupérer le truc là. Encore. Ah, et là on peut utiliser le monte-charge. Je vais pas pouvoir utiliser le monte-charge. Je dois trouver un autre moyen de monter. Non mais si, t'inquiète, tu vas pouvoir l'utiliser le monte-charge. Regarde. C'est juste que tu l'utilises pas de manière conventionnelle, mais en vrai tu l'utilises quand même. Voilà, tu faisais demander. Exactement. Écoute, en même temps, quand t'es toute seule dans la montagne comme ça, il faut bien se parler un petit peu. Hein. Déjà que moi, quand je suis tout seul dans mon appart, je me parle un peu. Alors, dans la montagne, perdu, en train de rechercher un prophète qui a la vie éternelle, tu sais, il faut bien se tenir un peu compagnie. Il faut bien. Hop, un peu de lecture. Ah, un peu de russe. Maintenant que je suis russe niveau 3, c'est incroyable. Ces missives au plus vite. Nous n'avons reçu aucune directive depuis la découverte des ruines. Nous continuons à étudier les artefacts et les parchemins récupérés sur le site. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il semblerait que nous ayons découvert les ruines de la cité de Kitej. On connaît ça. Il est également fait mention d'une sorte de figure messianique. Si mon interprétation des textes est juste... Il s'agissait d'un prophète ayant fui Byzance au cours du Xe siècle. D'après ses écrits, il transportait un objet d'une grande valeur. Pour l'instant, j'ai suspendu les opérations d'extraction. Je compte bien découvrir la vérité sur ce mystérieux prophète. J'avoue que Zaldine, dans le 2, il me semble qu'il t'enchaîne tellement avec les lances que, à part pour le toucher avec les commandes réaction, tu peux pas faire grand chose. Ah! Des champignons. Je croyais que c'était un feu de camp, mais en fait non, c'est des champignons. Tant pis. Est-ce que c'est une partie de la cité perdue? Oui. Ça doit être ça. C'est très joli en tout cas. Ah, des sous-sous. Là, on a des magnifiques mosaïques qui se... J'ai cru qu'elles se répétaient, mais en fait non, ça va. Elles se ressemblent, mais elles se répètent pas non plus, ça va. C'est pas les mêmes. Faut changer les couleurs. Wow! Non! Ah! Je me suis fait empaler! Ah! Ah, j'ai mal! Ah! Ah, merde! Ah, j'ai pas fait gaffe là! Ah, saute par-dessus ça! Merci les pics! Putain! Je me suis fait surprendre quoi. La petite vision d'horreur quoi, de Lara qui s'est fait empaler. Alors qu'est-ce qu'il y a à lire là-dessus? Cette fresque dépeint le prophète. Oui. Prêchant à Constantinople. Très bien, Constantinople ça me dit quelque chose, ça va. Putain, niveau 4 de grec, mais on est vraiment trop fort quoi. Allez, go. Nouvelle arme, arc à poulie. Vas-y, go. J'espère que Jacob est toujours en vie.
Je ne sais pas vraiment où je suis. C'est l'histoire de... Je peux rien améliorer. Putain, chier. Je me bats pour survivre et pourtant... Je suis pleine d'espoir. Je suis entourée de ruines incroyables. Ça doit faire partie de la cité perdue du prophète. Mais où commence la légende? La source divine est-elle ici? Voilà, j'ai amélioré ça. Comme ça, il m'embête plus après. Est-ce que pour les autres, ça va améliorer aussi? Ouais, d'accord. Ça a amélioré pour tous les autres, ok. Bah, c'est cool, écoute. Hein. Mais je vais reprendre mon arme de poing vipère. On va améliorer aussi pour les autres mitres, pour le reste là. Voilà. Voilà, comme ça j'ai tout amélioré, il m'embête plus. Enfin, il m'embête plus. Il va encore m'embêter, mais reprends le fusil d'assaut. Ok, c'est bon. Tout amélioré, il m'embête plus maintenant. Arrêtez de m'embêter. Et là j'ai deux points, je sais plus en quoi je devais les prendre. Poser des pièges, non. Fabriquer des balles plus mortelles, non. Permettre d'augmenter le rayon de détonation des objets explosifs, c'est pas obligé. La taille et la durée du nuage, l'instinct de survie indique les reliques. Ouais, c'est bon quoi. Deux flèches, ça va aller. Indicateur de tir sur la tête, effectuer un coup de grâce au pistolet à bout portant, augmenter vos chances de récupérer des balles. Non. Au fusil à bout portant, non. Les attaques ennemies vous infligent moins de dégâts. Ça pourrait nous éviter de mourir. Résister aux dégâts des ennemis pendant une courte période après une animation furtive bien réussie. Tuer instantanément les ennemis en armure. Oh putain, ça c'est cool ça. Résister aux dégâts des ennemis pendant une courte période après avoir pensé à vos blessures. Utiliser le couteau pour abattre instantanément les ennemis en leur tombant dessus. Bander vos blessures plus rapidement. Alors ça déjà, ça c'est truc, ça tue en un seul coup, c'est trop bien. T'arrêter sans bruit, les ennemis peuvent pas vous repérer. Les attaques ennemies vous infligent moins de dégâts. On peut prendre ça à la rigueur, hein, mais... Ça c'est quoi? Les animaux brillent. Où les animaux brillent? Une munition plus rapidement. Trouver les objets défis plus agressivement. Les techniques permettent d'augmenter tout ça. Spécialiser cadavres piégés. Je m'en fous tellement de tout. Allez, on va prendre le truc qui permet de résister. Comme ça on est bon. En plus... C'est un boss où Mickey vient dans le combat et ressuscitera. Ouais, totalement. Ah là, vous êtes beaucoup trop à fond, j'adore. J'adore.